Salut à tous, c'est Gwen, on se retrouve sur City Skylines pour la suite d'Academia. Alors on avait commencé à développer un peu plus le centre-ville pour justement que ça ressemble un peu plus à un centre-ville. Donc c'est encore bien vide, hein. On va pouvoir mettre pas mal de choses, de décorations à droite et à gauche. Mais ça on fera ça dans un temps ultérieur. Pour l'instant donc on a développé tout ça, on avait aussi commencé à développer l'industrie ici, et là on voit qu'on a un petit peu de demande résidentielle et commerciale, donc on va continuer en fait de développer la ville tout simplement, de comment remplacer ces différents secteurs avec ce haute densité. Ça. Ça. Voilà, forcément quand on est avec de la haute densité, ça va grossir moins rapidement. Enfin, la ville va s'agrandir moins rapidement, mais on va avoir de plus en plus d'habitants. Mais même si là on est qu'à 9000, donc on a largement la place. Est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu de commerce ici? Je dirais oui. On va changer cela aussi comme ça, voilà, oh, bon, voilà comme ça, donc ça continue de se construire, c'est parfait. L'université reste à peu près la même, la faculté d'état au plateau. Un académique, ça avance, les étudiants, il y en a toujours, on en manque toujours un petit peu. Bon, l'attractivité du campus, c'est bon, ça arrivera. Il y a une chance pour que ça proc. Donc là, on voit qu'il y a 30% de chance. Donc c'est normal, pour l'instant, tant qu'on n'a pas assez d'étudiants, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Et alors là, on est bon, donc on a les voitures qui passent et tout, c'est pas un problème. Les services publics, c'est bon, l'argent, on en fait toujours, donc c'est très bien. Est-ce qu'on peut commencer à débloquer d'autres carrés? Non, pas encore. Donc après, oui, on montera dans les montagnes, on fera d'autres choses, on pourra essayer diverses choses à droite et à gauche. Ici, qu'est-ce que ça donne? La ferme ici, elle est niveau 3 et elle produit quand même pas mal d'argent. Donc à ce niveau-là, pas trop de problèmes. On va faire de la farine, il faudrait faire quelques trucs, mais dans l'ensemble, on est bon. Oui, ça, on va pouvoir essayer de l'enlever, ça, en fait. Est-ce que j'ai mis... Oui. Donc je pourrais mettre une centrale... Je pourrais mettre les centrales électriques de ce côté. Ce que j'ai envie de faire, en fait... Si je prends ça, ça va venir jusque là. Alors pourquoi j'ai mis un quai ici? Tout simplement parce qu'on va être en face de la ville. Donc après ce pont là, il n'y aura plus besoin de quai. On va laisser ça sans quai. On pourra mettre des industries sur le bord de l'eau. Mais là on a pris, ouais, j'ai mis un quai spécialement pour ça, dans l'idée d'avoir justement cette connexion. Enfin, c'est plutôt, vu qu'on est près de la ville, c'est pour éviter que ça soit trop bizarre. Et voilà. On va se mettre comme ça. Comme ça. Pas toujours tout droit. Comme ça, ça donne un effet un tout petit peu plus aléatoire. Et alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est de déplacer ces machins-là. Donc la centrale à charbon, on va transférer le bâtiment. Je vais les mettre ici. Alors, on en a une ici. La deuxième centrale à charbon. Ici. Donc on les met au milieu, hein, c'est pas un gros problème. Ça c'est quoi? C'est prêt à co. Non, voilà. Et la centrale au fuel.
je dois mettre ici aussi. Donc voilà. Et normalement, on devrait être bon. Sachant qu'on a déjà deux centrales là qui nous permettent de, d'éliminer les déchets. Et en parlant de déchets, on est un tout petit peu en dessous du traitement. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir une autre centrale de traitement des déchets ici et là. Voilà, petite ville, on débloque quelques nouveaux bâtiments, le train. Des nouvelles politiques, ça on pourra s'y intéresser plus tard. Donc ça on connaît, les gares, le jardin yoga. Si on voulait, on pourrait faire une centrale hydroélectrique, mais ce sera pas nécessaire a priori. Hop, je vais mettre ça comme ça. Alors évidemment, il va nous falloir un peu plus d'eau. On va connecter tout ça. Comme ça, ça marche aussi. Et alors, on avait dit qu'on pourrait passer de l'autre côté. Parce qu'on aura cette zone-là qui va nous permettre de venir jusqu'ici. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais peut-être essayer quelque chose. Alors, si je mets non, parce que de toute façon, il faudrait que ça reparte. Donc, en fait, on va rester sur quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, essayer de faire baisser le train un petit peu. Faire passer le train en contrebas. Ça, celui-là. Et la prochaine node, elle est là. Et elle est là. Et alors, on va faire CTRL-H. Les mettre à ce niveau-là. Donc voilà, le train qui passe en dessous, on fera ça un peu mieux. Mais ça nous permettra... Ça c'est pareil, on le bougera un petit peu par la suite. Mais ça va nous permettre de faire quelque... de passer par là et d'avoir quelque chose qui remonte. Alors là c'est pas évident. Ça passerait presque en fait. Chose qui part comme ça. Alors ça c'est moche, hein, on est d'accord. C'est pas le problème. L'idée ça va être de passer ça là. Sachant que les piliers on peut les bouger. On peut les bouger. Alors ça c'est pas ouf. Faudrait qu'on baisse le train un peu plus. Ce qu'il est possible de faire, hein, bien évidemment. Celui-là un peu plus aussi. Et celui-là un peu plus aussi. Comme ça. Du coup, ça, on va partir. Comme ça. Et ça, faudrait le lever un tout petit peu. Voilà, ça va faire moche ici. Ça, on pourrait même l'enlever en fait. Ou pas. Voilà, on peut le laisser comme ça. Bon, c'est, ça fait un pont un petit peu bizarre, mais tant pis. Quoique, si je le mets comme ça, c'est à peine mieux. Ou alors, faut vraiment tricher et considérer que le train passera quand même en dessous, sans trop de problèmes. Voilà. Donc ça, c'est juste pour avoir quelque chose de possible. Et alors, ça va nous permettre, vu qu'on a les trains, d'avoir un terminal de train de marchandises. Le bâtiment doit être placé le long de la route. Je sais bien qu'il doit être placé le long de la route.
qu'il va devoir falloir faire, c'est donc si je fais ça. Comme ça, et alors si j'essaye de placer le train, ça on est beaucoup trop près. Ah mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire c'est casser tout ça et refaire un train ici qui sera un peu mieux. Alors si je le mets comme ça. Rapport de l'année académique, d'accord, donc on vient de finir la première année, travaux, on n'en a pas eu, des étudiants, on en a 300, attractivité du campus, c'est bon. Voilà, donc c'est la fin de la première année. Très bien. Alors, si je fais ça... Comme ça... Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, y a rien eu là, on est d'accord. Espace déjà occupé ? D'où c'est déjà occupé, je comprends pas. Oula. Il s'est passé un truc là. Essayons... Je pense que je vais bouger ça par contre. Parce que là, ça fait trop bizarre. Si je te fais arriver comme ça... hop. Donc ça, on dit qu'on déplace. On va le mettre comme ça. Et là, il reste... C'est étonnant. C'est assez étonnant. Par contre, ce que l'on peut faire, ça va être d'essayer de baisser. On va bien baisser un petit peu ça, justement, pour que ça soit à la bonne hauteur. Voilà. Enfin, que ça soit quasiment à la bonne hauteur. Ce sera jamais exactement la bonne hauteur, mais que ça fasse moins de... Moins de comment. Ça fasse moins bizarre, tout simplement. En fait, il va falloir que je fasse. Celle-là d'abord. Il s'est passé un truc, on sait pas trop. Voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Sachant bien évidemment que là, il va falloir passer. Comme ça. Et on va pouvoir commencer à justement mettre tout ça, aligner tout ça proprement. Car déjà, toi, tu viens comme ça. Voilà. Au droit, c'est mieux. Hop. On essaye de faire ça comme ça. C'est pas mal, ça marche tout droit. Jusque là, ça va. Alors ça, bien évidemment, il va falloir le remonter un petit peu pour éviter que ça fasse trop bizarre. C'est ça, on va les remonter aussi. Bref, avoir une descente douce. Comme ça, c'est pas mal.
c'est pas mal aussi. Et là, ici, on va se mettre, je dirais droit. Voilà. Alors bien évidemment, quand je dis droit, c'est pas droit du tout, mais voilà, si on remet ça droit, ça passe à peu près. C'est pas trop mauvais. Voilà. Jusqu'ici, ça va. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est recoller un peu. Oups, non, pas du tout. Ou alors là, pas du tout, du tout. Non, non, non. Toi, tu reviens là, comme ça. Parfait. Petit problème à ce niveau-là. Le recoller ici. Alors, pas besoin d'aller à l'autre bout du... de la map pour faire passer le train. On va juste faire en sorte que ça passe comme ça. Je sais pas si on peut mettre un quai, je vais essayer de voir. Oups. Attention le train. Ça va être fun de mettre un quai. Je crois qu'on n'a même pas besoin de mettre un quai en fait. Toi, je te mets là. Ah non, mais c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Évidemment, il y a un arbre ici. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu bizarre, mais ça devrait le faire. Et toi, tu vas pouvoir passer par là. Un petit peu incurvé, tout petit peu incurvé aussi. Et voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Sans la curve ici. Voilà. Écoutez, comme ça, on s'en sort pas trop mal. Bon, ça demande un peu de comment. Jouer un peu avec les le terrain, avec move vite, mais dans l'ensemble on s'y retrouve, c'est parfait. Ça, on n'en aura pas forcément besoin. Il va nous falloir de l'électricité, évidemment. Alors, rien ne nous empêche de passer par-dessus ici. Ça devrait commencer à fonctionner maintenant. Et la chose que je voulais voir, c'est justement, est-ce que si je mets un quai, est-ce que ça va passer? Là, oups, et évidemment on va pouvoir bouger ça. Je peux bouger ça jusqu'ici, le faire descendre un tout petit peu. Très bien, ça va mettre un peu à l'intérieur. Ça, bouger ça jusqu'ici. Ça. Très bien. Écoutez, mettre un petit quai comme ça, ça donne un peu plus de... C'est un peu plus de sens de ce côté-là. Est-ce qu'on pourrait faire ça de l'autre côté? J'imagine que oui. Essayons. Essayons. D'ailleurs, je vais mettre... Je peux pas mettre anarchie. Est-ce que si je le mets comme ça...
ça. Non, ça va pas vouloir passer. Got a swordfish lying around? Bring it in! Got a goldfish you're sick of feeding? Bring it in! Got a fish that's been sitting in the sun for a few days? Bring it in! We'll throw it in with the rest of them. What we do with the fish is nobody's business but ours. Just enjoy your salmon $8.99 with our famous stew. So, welcome on into Fish Brothers Seafood Themed Restaurant, where everything's a great catch. Except the shrimp. Voilà, donc il y a quand même moyen d'arnaquer le jeu pour créer quelque chose comme ça. Hop, on va faire ça ici, ça comme ça, celui-là je vais le mettre là ici, donc j'aimerais bien que ça évite de snap, voilà, alors toi on va venir te mettre jusqu'ici, même encore plus près du train sera mieux. Comme ça, avec ça bien évidemment comme ça, ici comme ça, ça va falloir te faire descendre un tout petit peu, ça reste comment possible, tout simplement. Ouais, ça a l'air pas mal. Et on a celui-là ici, qui est presque fini. Si je le descends un petit peu... Faut juste éviter que ça défonce trop le terrain à côté, donc a priori c'est comme ça. Voilà. Et là, donc ça nous permet d'avoir une sorte de gorge pour rentrer le train, sachant qu'on va en avoir... une qui va passer ici, et qu'il va falloir étendre... comme l'autre jusqu'ici, sachant qu'on va venir comme ça. Et voilà, 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 ça m'a l'air pas mal. Sinon, à part que celui-là pourrait descendre un tout petit peu, un peu gros, voilà. Parfait. L'autre chose, j'ai vu, il y avait un arbre ici qu'on peut enlever. Ça dépend des angles de caméra, ça fait des trucs un tout petit peu bizarres, mais dans l'ensemble, voilà. Donc on a notre train qui va pouvoir passer par là, ça va être parfait. Et on a déjà, voilà, ça commence déjà à arriver, donc c'est nickel. Et alors je vais le mettre ici parce que les camions vont arriver ici et vont repartir dans ce sens-là. Fait que ça devrait marcher. Bon, ça coûte cher d'entretien par semaine, mais au moins ce sera là. On peut même y mettre 2-3 industries comme ça ici. C'est impossible. Est-ce que ça, je peux le remonter un tout petit peu? Ce serait... ouais, ça va être mieux comme ça. C'est mieux comme ça, parfait. Parfait, parfait. Et là, du coup, on a beaucoup plus de demandes de logement, donc on va pouvoir s'en occuper. Mais ce sera au prochain épisode, vu que oui, y a beaucoup d'industries qui viennent s'installer là, donc on va avoir besoin de pas mal d'autres trucs. On vérifie juste, alors l'électricité c'est bon, l'eau pour l'instant ça va, les déchets c'est mieux, donc ça c'est bien aussi. Et voilà. On aura fait le train, on aura fait le passage ici. Il faudrait que j'en fasse un autre qui passe peut-être par là, passe au-dessus, quitte à faire abaisser l'autoroute, mais on pourra voir ça un peu plus tard ou à partir d'ici, quitte à voilà faire comment baisser l'autoroute et le train pour que ça passe en dessous. On verra. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette
cet épisode et on se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !